Et bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel sur Minecraft en cardboard. En cardboard, c'est quoi? C'est ceci, c'est hop, un petit casque de réalité virtuelle dans lequel j'ai inséré mon téléphone. Et donc grâce au logiciel Trinus, je peux avoir l'image de Minecraft sur mon téléphone. Mais d'habitude, j'utilise le logiciel Tridev pour avoir aussi un effet 3D complet, un vrai effet 3D. Sauf que le logiciel Tridev ne marche pas. Il ne marche qu'avec DirectX et Minecraft étant OpenGL. Donc, pour ce faire, vous avez une petite modification à l'écran qui est disponible dans la description. Vous installez ça, vous le décompressez dans votre répertoire Minecraft et vous lancez le Minecraft Renderer Configuration et vous arriverez sur la même fenêtre que moi. Ici même, donc, comme vous le savez, si vous avez, surtout si vous avez vu ou même pas encore, mon long tutoriel sur les cardboards, qu'il faut baisser la résolution du jeu, donc en 1024x768. Ici, stéréoscopie mode, on met cross eyes. Ici, on fait bien gaffe que l'image du right soit bien à droite et left soit bien à gauche. La distance entre les deux yeux, alors vous fiez pas, c'est vrai que les mesures sont complètement débiles, mais en tout cas, pour les réglages que j'ai fait, moi ça marche très bien. Peut-être que ça sera pas les mêmes réglages chez vous pour ces deux-là en tout cas. Donc, moi, distance entre les yeux c'est 1 cm, distance de l'écran 30 cm. Ça n'a rien à voir, bien entendu, mais c'est comme ça. Une fois que vous avez vous sauvegardez, vous mettez pas votre jeu en full screen, bien entendu, sinon ça n'en marchera pas avec Trinus. Vous mettez Enable, c'est-à-dire que la 3D va se lancer dès que le jeu est lancé, sinon vous appuyez sur F9 dans le jeu pour atterrir sur le menu du Messia Minecraft Renderer Warper. Donc ceci fait, tout est prêt, vous n'avez plus qu'à lancer Minecraft, connecter votre téléphone via le logiciel Trinus sur votre PC, et donc on se retrouve dans Minecraft pour voir ce que ça donne. Allez, on se retrouve dans Minecraft. Donc, on peut voir, voilà, le monde se charge. Donc, voilà, tout apparaît. Donc, on peut voir que si je lâche les mains, je peux tourner la tête en haut, en bas, à droite, à gauche. Je peux aussi le faire avec la souris sans bouger la tête. Et je me déplace avec les touches du clavier. Donc, l'aspect graphique est beaucoup plus joli que ce que vous avez à l'écran. D'ailleurs, vous avez qu'une fenêtre. Je vais essayer de zoomer pendant le montage, voir si c'est honnête pour vous mettre un petit peu plus en grand écran. Donc, l'effet de 3D est vraiment très 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 sympa sur Minecraft. Du coup, avec ces graphismes simples, ça rend vraiment très bien. Je découvre un peu. J'ai fait que des réglages. J'ai pas trop joué. J'ai des petits lags que je n'avais pas la dernière fois, mais c'est vraiment très 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 peu. Effectivement, ça prend beaucoup plus de ressources que de faire tourner son Minecraft tout seul, puisque vous en faites tourner deux, un à droite et un à gauche, avec l'image décalée. Ah, sous les arbres, c'est cool. Sous les arbres, c'est cool. On a vraiment l'impression presque qu'ils vont nous raser la tête, les trucs. Je vois une grotte, je voudrais bien aller voir une grotte. On a une là aussi. Wow, c'est sombre. Alors. Ah ouais, c'est vraiment pro. Oh là, qu'on rentre dedans, on a vraiment l'impression de. Ouais, bah de rentrer dans une grotte, quoi. C'est vrai que. C'est vrai que c'est immense, quoi. Je suis vraiment très agréablement surpris par ce Minecraft en VR. C'est vraiment très sympa. Je pensais pas que ça allait donner aussi bien, surtout dans les grottes. Là, du coup, c'est très très bien. C'est sombre. Même pour vous, je pense. Hop là, avec le. Allez, on retourne là-bas. Je suis pas, c'est bon. Ok. La petite poupoule. Alors là-bas, on va aller voir la grotte aussi. Et monter en haut d'une montagne aussi, ça devrait être sympa. Ah ben non, il n'y a pas de grotte. Oh là là, c'est énorme. Je pourrais presque. Ah, ça doit faire un. Je dirais que ça fait 2 mètres. Ouais, je sais pas. Est-ce que un bloc mesurait 1 mètre? Ouais, franchement, l'effet 3D est bien parce que, ouais, effectivement, ça ferait 1 mètre. Ouais, là, 2 mètres. Ouais, ça ferait peut-être un petit peu plus haut qu'un mètre.
Non, j'ai bien cet aspect de profondeur, c'est cool. On va les voir dans l'eau. Wow! Ah, c'est cool. Ah, c'est chouette. Pas grand-chose, peut-être pour vous. Parce que YouTube a toujours tendance à assombrir les images. Wow! Ah, les nuages, c'est vraiment top, les nuages. Pardon, oula. Les nuages sont vraiment tip top. Je sais plus comment on fait. Ah ouais, voilà, il faut sauter, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Alors, la nuit tombe ou quoi? Ah ouais, la nuit tombe. Ah ouais, c'est joli, dis donc. Franchement, ça vaut le coup. Je vous conseille à tous d'essayer, si vous avez un cardboard à la maison, d'essayer Minecraft en 3D. Donc en plus c'est tout simple à faire, hein, franchement. Donc comme j'ai dit, vous décompressez le petit mode à la racine de votre Minecraft, et puis vous lancez le petit logiciel de configuration. Et du coup, après c'est parti, c'est tout simple. Ce que je vais faire, je vais essayer, mais c'est pas dit que ça marche, hein. Je vais essayer de vous. Je sais même plus dans quel sens je suis. Ouais, voilà. Je vais essayer de vous mettre juste après là une vidéo de Minecraft en 3D, donc avec une image droite et gauche, side by side. Et ceux qui sont occupés d'un, ceux qui sont équipés, pardon, équipés d'un cardboard pourront essayer de mettre leur téléphone dedans et de regarder donc la vidéo, la suite de la vidéo avec leur cardboard. Pour voir s'ils ont l'effet 3D, pour voir, je pense que ça devrait marcher, pour voir un peu ce que ça donne du coup. On va faire ça. Et sinon, mais pour les autres, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à aller voir les autres tutoriels qui sont disponibles sur la chaîne. À laisser un petit commentaire. Pareil, si vous êtes en galère, je peux vous aider dans les limites du raisonnable et dans la limite de mes connaissances. Franchement, ce Minecraft PC, hein, donc c'est pas l'application, j'ai pas, c'est pas l'application PC, l'application Android, hein, c'est vraiment le Minecraft PC via le mode Messia et c'est vraiment tip top. Waouh! Tip top, tip top. Allez, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Ah, un message.